Bon, on a été coupé, hein, Oui. parce qu'on a dépassé les 40 minutes, mais il ne reste pas beaucoup, hein. Voilà, on va faire ça. Alors, j'ai dit que pour ce qui est la ressource, donc si je clique deux fois, remarquez, j'ai appelé la fenêtre utilisation des tâches. Alors, utilisation des tâches veut dire que pour chaque tâche donnée, qui l'utilise? Alors, pour modifier le tableau des prix, alors je dois cliquer deux fois sur la tâche. Sur traiteur. Alors c'est là en fait qu'on va retrouver la table des taux et des coûts. Vous voyez A, B, C, D, E. Alors A c'est 440. D'accord? Alors B, si vous avez bien sûr indiqué un prix spécifique, donc il va automatiquement faire le calcul à partir de ce prix-là. Alors la ressource traiteur, elle va travailler 2 heures pour faire lister l'auréat. Et bien sûr, là, quand est-ce qu'il va commencer cette tâche et quand est-ce qu'il va la terminer? Donc, supposons qu'il va la terminer le 31. D'accord? Alors, quelle est la table que vous allez appliquer? Et lorsque vous allez faire OK, alors, il va y avoir tout un calcul, hein? Donc, vous pouvez aussi ajouter des colonnes, par exemple, la colonne coût. Vous allez trouver que le traiteur animateur, ils vont consommer 2860 dirhams du budget pour faire cette tâche-là, en se basant sur le coût que vous avez indiqué ici. Vous voyez, le coût a changé. Alors, si par hasard on a fait le B, d'accord, ça a diminué. Donc, il a pris la deuxième table de coût. Alors, les coûts qui ont été planifiés, on va les retrouver. Par exemple, je vais faire C, je vois. 1500, maintenant c'est 1300. Ils ont exercé une autre fonction. Hein? C'est à moi de planifier cela. D'accord? Alors je vais vous rappeler comment on a travaillé sur le table. Donc je vais faire un petit rappel comment on a touché à ça. Alors on doit normalement revenir à notre tableau de ressources. Alors tableau des ressources, il est là. Et dans la ressource spécifique, donc on a cliqué deux fois et on a travailler les tables des coûts de cette manière. J'ai dit par exemple une personne, elle peut exercer la première fonction, elle peut faire un autre métier, un troisième métier, etc. Et dans chaque tâche qu'elle fait, on lui donne un montant différent par rapport à la première. Alors l'utilisation de ces tables de coûts, ça se fait à partir de l'utilisation des tâches. Donc vous devez revenir ici. Voilà, vous avez trouvé les tâches et les affectations. Vous cliquez sur la ressource que vous voulez changer. Cliquez deux fois et vous changez sa table de tâches. Donc, cette fois, la ressource va travailler avec le tarif A. D'accord? Et votre logiciel va faire les calculs nécessaires. D'accord? Alors, en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, voilà, je fais un petit rappel. Et donc, on a vu les types de tâches, les contraintes de tâches, les types de liaisons et les coûts des ressources. Okay? Alors, ce fichier, vous allez le retrouver dans la plateforme Google Classroom. Je vais laisser la vidéo et le fichier. Il y a aussi un exercice que vous allez faire. Donc, c'est un exercice simple. Ça va vous rappeler comment faire un projet, comment le définir. D'accord? Donc, vous allez créer un nouveau projet, vous allez le paramétrer. D'accord? Vous allez entrer les informations de base, vous allez indiquer les taux standards, les taux supplémentaires, le nombre d'heures, etc. Et vous allez travailler un nouveau calendrier en entrant ces informations-là, vous enregistrez votre projet. D'accord? Oui. Alors, c'est bon pour tout le monde? C'est Oui, clair? monsieur. C'est clair? Alors, sur ce, donc, on va se quitter. Donc, c'est juste, j'ai besoin de savoir, voilà, qui est parmi nous. Alors, Tibiani, Rim, Rania, Tibiani, Rim, Rania, Mihad, Mihad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette séance,
Donc, si vous avez un groupe WhatsApp, essayez de partager avec eux l'information. Ils doivent accéder à Google Classroom pour récupérer, bien sûr, le contenu de cette séance. OK? Oui, monsieur. D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Alors, Merci. portez-vous bien. Merci. Alors, s'il y a des questions, vous les posez dans les commentaires de la séance. OK? OK. D'accord, monsieur. D'accord, Alors, monsieur. au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.